Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tout le monde de Kombo. Dans là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manina, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandwer, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro, Télémanagement, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam, bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandwer, on il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la formation du gouvernement central qui est attendue incessamment selon un cadre de la famille politique du chef de l'État. L'actualité reste également dominée par l'élection du bureau définitif qui est reportée sine die. On parlera également de la question de l'Est de la République démocratique du Congo, inhumation de 35 Congolais tombés. Donc, en début du mois de mars dernier, mesdames et messieurs, l'accord entre le Rwanda et la France, on va également en parler dans cette émission à quelques semaines ou à une semaine et demie du passage du président Tshisekedi à Paris en France. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. On reçoit pour vous, je vous laisse deviner, le citoyen révolté. Mesdames et messieurs, c'est avec lui que nous allons donc analyser cette question d'actualité avec objectivité et transparence et partialité. Maître Jean-Marie Claude Banza, toujours un plaisir de recevoir une personne telle que vous dans cette émission. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup, Dan. Je suis heureux d'être sur ce plateau, puisque c'est notre cher et beau pays. Nous essayons d'apporter ce que nous pouvons apporter. Merci. Alors, Maître Banza, citoyen révolté, vous êtes toujours révolté hein, de ce qui se passe au pays. C'est encore pire aujourd'hui. Qu'est-ce qui est pire aujourd'hui? Mon chef de l'État, depuis décembre 2023, on est en mai finissant 2024. Je crois que ça ne peut que révolter davantage un citoyen comme moi. Mais d'où vient le problème? Pourquoi jusque-là, il est là, il n'a pas de parlement, il n'a pas de gouvernement? C'est quoi? C'est dû à quoi? Il y a un passage dans la Bible qui dit, Proverbe 25, verset 5, élimine de l'entourage du roi les méchants. Son autorité s'affermira pour la justice. Vous savez, quand on veut faire un nouvel habit en colmatant avec des vieux habits, ça sera de la monstruosité. Je crois que le chef s'est fait entourer par des gens très méchants. Et j'ai comme l'impression que lui-même n'arrive plus à s'en sortir. Puisque je ne peux pas comprendre qu'avec tout ce que le peuple, moi compris, l'espoir qu'on a fondé sur lui, on puisse arriver jusque-là. Et des justificatifs qui n'en sont pas vraiment acceptables, puisque pas plus tard qu'hier, je crois qu'il a réuni Moi, j'étais sûr qu'il allait taper davantage sur la table et dire désormais, par exemple, Papa Mbosso, il faut paix, ma paix, prendre les Sénats. En politique,
on décide. Sinon, c'est une forme de millième négociation. Il a envoyé les gens là-bas. Et puis, les présidiums, par exemple. Tant que ces gens n'activent pas la sagesse, ça n'ira pas. Qu'est-ce qui est difficile à ces présidiums de se dire, non, bon, nous laissons, nous allons rester comme des conseillers dans l'ombre, laissons quand même les autres compétir pour le bien de la République. Donc la Constitution n'a rien à voir, ce sont les ambitions. Ce n'est pas un problème constitutionnel. Il est vrai que la Constitution doit être changée, puis surtout les 10 premiers articles. Puisque quand vous voyez le fameux accord de l'Emera, là, a été confectionné dans cette Constitution. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est prévu aujourd'hui. C'est là où j'ai toujours dit, les pays, les Congolais en général, ne font aucun effort, ne lisent même pas. Ils sont là en train de s'embrouiller. Prenons un exemple. Un événement peut se dérouler à Yaoundé. C'est CNN qui informe. Même le président africain suit ça. Donc, ils sont incapables d'activer leur propre communication. Ça, c'est l'Afrique. Tout ça centre dans le cas du fait que les États africains n'ont toujours pas la souveraineté. La faute est à qui dans tout ça? À nous, peuple africain. C'est pas, on ne peut pas accuser les chefs de l'État ou les politiciens, puisque tout ce monde vient du peuple. Il n'y a pas de quelqu'un qui est venu d'ailleurs pour être président ou pour être Mbosso ou qui. Non, nous sommes tous issus du peuple. Vous voyez ça? Mais quand on accède à une partie des pouvoirs, on oublie d'où on vient. Tout ça, c'est un problème. Tout le monde veut être, je ne sais pas, on veut s'éterniser au pouvoir. Le chef a menacé pour dire, si ces désordres-là continuent, il va dissoudre le Parlement. Mon cher ami... Est-ce que ce serait une solution au problème? Ce n'est pas la solution. Par contre, il va l'aggraver. On va sortir l'argent ou pour organiser ces élections-là. D'abord, on a un sérieux problème. Nous avons besoin d'engraisser notre armée. De donner des nouvelles armes. Vous allez encore dépenser pour... Non, non, il doit décider, c'est tout. Il n'a pas de chercher à... Non, non. Et puis, moi, j'étais sûr, quand il a convoqué, il dit, ah, voilà, le chef est maintenant debout. Mais la suite, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qu'il a voulu. Non, non. J'étais sûr qu'il allait dire, bon, désormais, voilà la ligne, c'est ça, vous faites ceci. Demain, élection, installez-moi le bureau définitif, d'ici dimanche, j'ai publié le gouvernement, c'est tout. Qu'est-ce qu'il devait dire concrètement, selon vous? Si vous étiez à sa place, oui. Quelle décision prendriez-vous au regard des demandes de députés qui se disent révolutionnaires? Qu'est-ce que vous prendrez comme solution? Oui, vous avez suivi... Ces députés-là, ils sont au nombre, je crois, de 250, si je ne m'abuse pas. C'est déjà un problème. Hein? Il fallait, comme on est en démocratie, c'est la majorité. Les chefs devaient profiter de cette occasion pour nous laver les vieux, nous enlever les vieux habits. C'était une opportunité. Et ils devaient suivre puisque lorsqu'on dit, il faut vraiment privilégier la grande orientale. Mais c'était tout dire. Et les femmes aussi. Et les femmes, voilà. C'était simple. Il suffisait de dire, bon, voilà, mon papa Mbosso, vous avez suffisamment travaillé, vous cédez la place à Mboussa Nyamwisi. Et ensuite, telle femme, ça s'arrête là. C'est comme ça, puisque ça, vous êtes dans un consortium de comment vous appelez, de l'union sacrée. C'est lui l'autorité suprême. Il faut dire des choses claires que d'être philosophe. Finalement, maintenant, on est perdu là. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va installer les bureaux définitifs. Entre-temps, c'est des dépenses. C'est des dépenses. Je vous ai dit ici la fois passée que le chef n'a plus que 2 ans. Quelqu'un m'a même dit non, c'est 3 ans et demi. Et plutôt, n'a plus que 4 ans. Il m'a dit non, c'est 3 ans. Puisque vous allez observer ce que je vous dis aujourd'hui. Dès qu'on arrive en 2027,
au milieu de 2027. Vous allez voir combien seront rebelles même vis-à-vis du chef de l'État. Au sein de l'Union sacrée, on dit. Certainement. Certainement. Puisqu'ils vont commencer à dire, ah, bon, mandat n'a pas de type, donc, Aza déjà n'a pas tout ça. Vous allez voir les comportements. Mais qu'est-ce que vous reprochez exactement au chef de l'État? Parce qu'il dit clairement que ce qui le bloque aujourd'hui, c'est la Constitution. Non, non, non. Parce que vous-même, vous êtes d'accord que la Constitution oui, a des problèmes qui vont changer. Elle est mauvaise. En quoi c'est le vrai. Chef a-t-il tort de pointer les problèmes? Quand il a réuni les gens hier, là, c'était sur base de la Constitution. C'est puisqu'il a constaté les désordres. Ces désordres-là sont liés à la Constitution. Quand il y a des gens, la majorité ne veut pas d'eux. Mais c'est toujours la Constitution. Non. Il y a un problème de bon sens dans notre pays. Je vous donne un exemple. Vous êtes cité partout comme ayant détourné. Et vous restez calme. Au lieu même de démissionner. C'est-à-dire que la politique chez nous est vomissante. Les gens sont calmes, ils restent calmes, malgré tout ce qui se dit dans la presse. Tu es tranquille, tu sièges même au conseil du gouvernement. Non, le conseil plutôt des ministres. Non, ça, moi, c'est pas, c'est quelle politique que nous, c'est quelle culture que nous avons. C'est ça qui fait que même les chefs semblent être un peu, je sais pas, ils devaient décider hier, là, pas aller faire ça, point barre. En s'appuyant sur la majorité qui s'est dégagée sur ce point-là. C'est ça la politique. On n'a pas besoin de chercher à vouloir. Puisque l'impression qu'il a donnée hier, c'est comme s'il voulait à tout prix protéger quelqu'un. Je peux parler ainsi. C'est ça, enfin, c'est mon analyse. Beaucoup disent que ces députés révolutionnaires, la plupart, en tout cas, sont contre la candidature de Christophe Mbosso. Pour la plupart, disent que Mbosso ne peut plus revenir. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? C'est une vérité. C'est une vérité. Bon, moi, je ne comprends pas. C'est là où je vous ai dit, nous avons une politique vomissante. Vous étiez au perchoir. Après, vous voulez être... Non. Bitakwira vous a tout dit. N'est-ce pas? Donc, il faut à un moment donné qu'on arrête ça. Hein? Je répète chaque fois ici, depuis mon école primaire, c'est les mêmes têtes-là, mais le pays n'évolue pas. Depuis votre école primaire, c'est pas... Depuis l'école primaire, c'est les pas... mêmes personnes, il y en a qui étaient PDG quand moi j'étais en 6e primaire. Qui sont aujourd'hui... Ils sont là, dans le présidium là. PDG de la SONAS, tout ça, toujours les mêmes. Mais rien, regardez l'état de la SONAS aujourd'hui. Puisque la politique, j'aimerais qu'on s'entende très bien, que le chef de l'État, s'il me suit, la politique telle que nous l'avons étudiée, c'est-à-dire quand quelqu'un accède au pouvoir, c'est pour des solutions. Il peut avoir proposé 10 solutions, mais vu l'État, il peut atteindre peut-être 7 ou même 4, c'est toujours bien. Mais on ne vient pas au pouvoir pour commencer à se justifier par rapport au passé. Non, non. Puisque l'eau, la rivière, ne coule jamais dans le sens opposé. La rivière va toujours dans le sens unique. Donc, ce qui est passé est passé. Ça nous a peut-être laissé des traces. C'est à nous de corriger aujourd'hui. Je vais vous donner une petite histoire pour que vous compreniez pourquoi je m'acharne sur la politique et les politiciens. Nous sommes indépendants. Kassavubu arrive comme notre tout premier président. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. C'est Bolikango qui devait être notre tout premier président de la République. Mais il y a eu un député originaire du Congo, non, de Bandundu, qui va dire non, mais Togope, ça y est, Kakabo, Bokonzi, Eloko, Apesimbongo, Tebilo, c'est comme en 60 déjà. La suite, comment c'est devenu Kassavubu, je ne sais, je n'ai pas encore trouvé les éléments. Mais ce que je vous dis, c'est ça. C'est Bolikango qui devait être tout premier président. Vous voyez déjà la culture que nous avons, nous. Et malgré cela, Kassavubu devient premier président de la RDC. On lui fait un coup d'État. Il vous laisse dans la caisse plus de 13 milliards de dollars. L'équivalent de 1300 milliards aujourd'hui. Le maréchal arrive au pouvoir.
il trouve plus de 3500 entreprises. Vous comprenez ça? C'est pour vous montrer d'où nous venons et pourquoi nos cerveaux sont abîmés. C'est intéressant. Oui. Et quand on a, quand vous regardez les 10 premières années du maréchal, vous avez pratiquement 3-4 ans de guerre, toujours à l'est. C'est ça l'origine des bataillons Kamagnol. C'est là que le célèbre général paix à son âme Moulamba a fait son histoire. C'est toujours le Rwanda. Toujours. Non, à l'époque, c'était pas les Rwandais. C'était, bon, vous savez, notre pays, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et à l'époque, je crois qu'ils avaient déjà découvert nos minéraux, puisque ça ne s'explique pas comment. C'était toujours à l'est. C'est comme ça qu'on appelait le général Moulamba, l'homme de Bukavu. Vous connaissez l'histoire. On a même accusé les Maïmaï d'avoir bouffé les Italiens, tout ça, des choses. Makambebele. Vous comprenez ça? Alors, après un temps, le maréchal est au pouvoir. Les 10 premières années, c'était un peu bien. Nous qui étions les enfants des fonctionnaires, quand vous allez en mutation, vous trouvez la maison de l'État avec tout dedans. Fauteuil, télévision. Tout, même les véhicules, généralement, c'était une vieille marque là. Plus tard, c'était le VW. Vous voyez l'histoire, comment le pays était. On voyait même les cantonniers pour faire les routes de dessertes agricoles. Mais arrivé vers les années 80, les conséquences de cela commençaient vers les années 72, 73, 74, quand le maréchal a tout authentifié. Recours à l'authenticité. C'était ça la guéguerre entre lui et le cardinal Malula, paix à son âme. Vous voyez ça? Alors, l'économie a reçu un coup dur à cette époque, puisqu'il va prendre les gens qui n'avaient aucune notion de gestion des biens, qui n'avaient aucune notion en matière de commerciale ou en matière de l'économie. Il va leur céder les gens qu'on a appelés, je crois, les acquéreurs. Et les conséquences, nous les vivons jusqu'aujourd'hui. Et pendant ces temps, la culture de la paix et de l'impôt avait cessé. C'est comme ça vers les années 80. Les 13 parlementaires ont compris que non, le maréchal dévié n'était plus sur le bon chemin. Il conduisait le pays vers le gouffre et n'avait pas l'intention de quitter le parti. Il voulait en interne modifier des choses pour ramener le maréchal sur les rails. Malheureusement, le maréchal, comme il recevait plusieurs groupes, il y a un groupe qui dit « Attention, on va au salaire au coup d'État ». C'est comme ça que les pauvres 13 parlementaires ont souffert. Mais leur objectif était de ramener le pays sur les rails. C'est comme ça que, comme je vous l'avais dit la fois passée, le maréchal a décrété l'objectif 80. Qui était essentiellement basé sur l'agriculture. Malheureusement, tout ce qui était prévu pour ces secteurs-là, Bayaya, à telle enseigne que plus tard, le même maréchal va dire, comme nos politiciens, je ne sais pas qu'est-ce que nous on a fait au bon Dieu, va dire Atabayi Baka. Donc notre culture, notre ADN, c'est le vol. Mais d'où est venue cette culture? On l'a hérité des Belges? Mais à l'époque des Belges, les gens payaient l'impôt, il y avait l'économie, on était au même niveau que le Canada. C'était à l'époque des Belges. Vous voyez ça? Le problème, c'est que quand le maréchal arrive, il nous amène la danse là des Sakayons. Puisque j'ai appris que les gens disent que non, bon, Zahir et Aloukoum. Non, c'était Zahir et Adans. Sakayons. On a même détruit les entreprises. Comment? En créant les comités populaires, là. Quand vous êtes PDG, vous êtes d'office président du comité populaire des choses comme ça. Et il n'y avait plus de contrôle, on ne payait plus l'impôt. C'est vers 88 que le maréchal se rend compte qu'il fallait
qu'il y ait les gens qui payent l'impôt. C'est-à-dire, il a créé la DGC en 88. Et je crois que suivi de la DGDA, et plus tard, vers 96, c'est la DGRAD. Mais les gens n'avaient plus la culture fiscale. C'est comme ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est juste une poignée d'individus qui payent. Les restes ne payent rien. Quand vous avez les gens comme les célèbres Bati Lukwebo, la société civile même de son coin a réagi contre l'exonération qu'on lui a accordée. Mais papa, attends, vous savez, il y a un problème dans notre pays. Je ne sais pas, c'est quoi ça? Vous êtes autorité morale. Vous avez des ministres, bientôt vous les aurez encore. Puisque chez nous, c'est devenu comme ça. Vous avez des députés. Et ces gens payent une certaine quotité, mais vous n'êtes pas satisfait. Vous allez encore réclamer des exonérations dans votre propre pays. Attends, non, mais ça ne va pas. Donc, quand vous avez ce genre de personnes autour du chef, attendez-vous à un sous-développement davantage. Nobati est bénéficiaire d'une exonération. Mais ça y est, dans tous les réseaux sociaux. C'est la société civile qui s'est levée contre ça. Vous voyez comment nous avons... Donc, nos politiciens, je ne sais pas. D'ailleurs, je voulais rappeler au chef de l'État ceci. Sous d'autres cieux, dans les États normaux, quelqu'un ne peut pas passer, soit député, sénateur, ou président de la République, premier ministre, ou ministre, sans les numéros impôts. Puisqu'on doit contrôler son attestation fiscale pour savoir s'il payait les impôts. Mais ici, non, quelqu'un vient de nulle part, directement ministre. C'est comme ça, il ne paye pas. Et regardez, quand vous êtes à l'aéroport, vous verrez qu'il y a des jeunes filles ou des grandes dames qui viennent, qui ont été à Dubaï, en Chine, avec des marchandises, qui passent sans payer un franc puisque tel a téléphoné. Et finalement, nous sommes dans quel état? C'est papa. On va répéter ça combien de fois? J'aimerais que le chef de l'État, à un moment donné, s'arrête. Il dit non, non. Je viens de l'UDPS. Quel est l'esprit? Quels sont les fondamentaux de l'UDPS? Non. C'est devenu compliqué. Vous voulez dire que ce qu'on voit aujourd'hui n'a rien à voir avec... Non, non, non. Ça, c'est pas avec l'UDPS, papa. C'est pas l'esprit UDPS. C'est quel esprit alors si c'est non, ça c'est... Je ne sais même pas quelle monstruosité je peux dire. Ça, c'est pas l'esprit UDPS. C'est l'UDPS qui est au pouvoir. Le président est le fruit de l'UDPS. Les Mbosso et les Bati, là, c'est l'UDPS. Non, mais... Il y a Méli Mélo. Il y a du Méli Mélo. Mais c'est l'UDPS qui a le lead. Qui est qui? Qui a le lead, non, qui, non. Le parlement. Non, 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 non. C'est l'UDPS qui a la grosse part. Il y a une chose que nous devons comprendre. L'UDPS, vous avez suivi même les fondateurs de l'UDPS, ils ne se retrouvent pas. Ah bon? Oui, ils s'en plaignent même. Je vous donne un cas. Oui. Vous avez le ministre, celui des Finances. Nicolas Cazadi. Oui. Va dans son cabinet, tu ne trouveras aucun membre de l'UDPS parmi ses conseillers. Sûr et certain? Je te dis. Aucun membre de l'UDPS? De l'UDPS. La plupart étaient chez Yav. Des conseils de Yav. Les autres étaient dans le mining. C'est tout ce qu'il a comme conseil. Il n'y a pas esprit d'épaisse là-bas. Vous voyez ça? Donc, nous voulons à tout prix. Moi, je ne parle pas des gens, oh, voilà, les peuples souffrent. Je n'aime pas ces langages. Je n'aime pas ces langages. Les gens qui souffrent, vous les trouverez toujours. Même du temps où Jésus était sur la terre. Il y a toujours les gens qui souffrent. Aux États-Unis, vous avez près de 30 millions de sans-abri. Alors, le problème que nous avons chez nous, c'est quoi? Il est vrai que le gouvernement, depuis qu'on a des gouvernants jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas, comme on appelle, une incitation à des bonnes œuvres pour pouvoir bien encadrer les peuples. Mais, le peuple lui-même, là, puisque les gens comme les Peter Kazadi sont venus du peuple, les Bati, là, ils étaient dans le peuple. Mais allez, aujourd'hui, je vous parle, commencez par l'entrée de Kinshasa. Jusqu'à Kinshuka, vous avez pas moins de 30 000 bars. Même plus. Et c'est toujours plein.
Vous entrez chez les Libanais, supermarché. Chez les Indiens, supermarché. C'est toujours plein. C'est les Congolais qui achètent. Ils commencent à acheter à partir de 6h30. À la fin, je commence à me poser des questions. Mais qui souffre? J'ai fait un reportage avec un Zimbabwéen. Depuis Kimpoko, là-bas, dans le Bandundu, on arrive chez Kimbuta, au niveau de Kimbuta, on trouve les gens qui buvaient. Mais il était curieux de poser la question à un groupe de jeunes gens qui avaient déjà consommé pas moins de 14 bouteilles qui étaient déjà par terre, mais si c'était en cours de consommation, avec les Mabok et tout ça. Il tend le micro à l'un d'eux pour lui poser, mais comment il sait, oh, nous souffrons, mais il est ivre. Vous voyez un peu ça? Donc il y a un problème d'encadrement, un problème sérieux d'encadrement. Puisque on ne peut pas comprendre. Vous avez, prenons le cas d'un gouverneur qui sortant, il vous dit qu'il a construit un pont, mais vous avez, là où il parle, les canalisations sont pleines de bouteilles, de ceci, il n'y a rien. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'UDPS devait faire en étant au pouvoir? Remettre les cantonniers. Créer les emplois au niveau avec les gens qu'on appelle les éboueurs. Acheter les véhicules qu'on appelle comment, ramasseurs d'immondices. Construire de façon permanente les routes. Je viens de passer sur à côté de la route qu'on construit sur comment on appelle, sur route Matadi. J'ai dit au chauffeur... C'est bloqué, là. Oui, c'est bloqué. Ça va faire un mois maintenant. Depuis que le président est passé par là. Donc, les gens souffrent pour se retrouver, rejoindre... Et ce petit tronçon-là, ça... C'est encore bloqué. Mais quand j'ai vu ce qui est fait, j'ai dit, en tout cas, ça, d'ici 6 mois ou une année. Puis les gens vont dire, lui, il est toujours négatif. Non, non, mais j'ai vu. Mais ce qu'ils font là, ça ne va rien, ça ne va pas prendre. Donc, c'est pour quelle durée? Ça, je ne sais pas, il y a quoi au juste entre nous? Donc tout ça, puisqu'on n'a pas bien maîtrisé la territoriale, puisque le développement d'un pays, quand vous avez la maîtrise de votre territoire, vous n'allez pas connaître tout ça. D'accord, maître. Avant de poursuivre, il y a deux autres chapitres. Il y a d'abord la rencontre entre les chefs de l'État et le cardinal, Fridolin Ambongo. On va y revenir en fin d'émission, mais cet accord militaire entre le Rwanda et... disons, le renouvellement du contrat militaire entre le Rwanda et la France. Votre lecture personnelle? Vous savez, je crois l'avoir dit l'autre fois. D'abord, j'ai été l'un de ceux qui ne voulaient pas entendre cette histoire de voyager, de voyage du chef de l'État en France. Puisque je ne sais pas s'il est content de ce voyage, et surtout que nous avons constaté qu'on l'a humilié. C'est la première fois que je vois une dame, soit-elle française ou première dame française, après une photo officielle, faire revenir un couple présidentiel pour une deuxième photo. Avec qui? Avec une, je ne sais pas, une Rwandaise ou je ne sais qui. Ça, c'était pas bon. Sur le plan diplomatique, ça a un autre sens. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris en compte les soucis du chef de l'État congolais. Ça, c'est des deux. Nous avons toujours dit que entre États, il n'y a pas d'amitié. C'est ce que les chefs d'État africains ne comprennent pas. Entre États, il n'y a pas d'amitié. Ce sont les intérêts qui comptent. La France ne peut pas s'en prendre au Rwanda tant que les États-Unis sont avec les Rwandais. Ça, je vous donne ma main à couper. C'est un pays suiveur. Ils ne sont pas sincères quand ils demandent au Rwanda. Non, 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 c'est juste une coloration diplomatique. Mais le chef, tu sais qu'il vient de passer là, il y a plus ou moins une semaine. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, bon, on l'a poignardé, on l'a giflé dans les dos. Puisque, bon, son passage ne pouvait pas empêcher les relations entre la France et le Rwanda. Mais de cette façon-là, c'est une façon de nous dire clairement que ah, bon,
vous ne valez pas la peine. Vous comprenez ça? C'est ici où j'ai toujours dit, les États africains ne sont pas souverains. Oui, ils ne sont pas souverains. Pourquoi? Vous connaissez un seul chef d'État occidental qui est tombé malade et est venu se faire soigner ici. C'est impossible. Voilà. C'est ça. Quand, sur le plan sanitaire, sur le plan communicationnel, vous n'êtes pas souverain et vous dites que vous êtes souverain, comment? Puis ce sont les deux piliers d'un État normal. La santé, la communication. Je vous ai dit, si un événement peut se passer à Malemankou, c'est RFI ou France 24 qui va annoncer avant RTNC. Donc nous ne sommes pas souverains. On nous a donné un peu de politique, mais pas sur le plan économique, sur le plan communicationnel, non. C'est CNN qui vous annonce, et même nos chefs sont là. Regardez du temps de Joseph Kabila. Sa fille étudiait où? À l'école française, dans son pays, mais c'est à l'école française. Vous êtes souverain comment? Donc il ne pouvait pas aller à l'Athénée de la Gombe, puisque là, il touche ses salles. Mais c'est lui le président de la République. Donc vous comprenez, c'est comme ça, je vous dis qu'on n'est pas souverain. On le sait lorsqu'on va mettre en pratique la lettre de feu Patrice Emery Lumumba. Tant qu'on est là, un président a mal à l'oreille, comment l'avion médicalisé, pan, une autorité quelconque, allez en Europe. Ça veut dire qu'on n'est pas souverain sur le plan sanitaire, sur le plan communicationnel. On n'est pas souverain. Mais maître, beaucoup ont dénoncé le fait que le chef de l'État, en passant en France, il est allé aussi un peu, il s'est donné un peu au loisir, notamment le football. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Beaucoup ont critiqué pour dire qu'en étant en guerre, le chef de l'État ne pouvait pas se livrer à un tel loisir. Non, ça, je crois que les Congolais, à un moment donné, ils se livrent trois des petits détails. À l'Est, là-bas, les gens ne se marient pas. J'ai un ami qui vient fraîchement de là. Il se demande si réellement il y a la guerre là-bas. Il y a beaucoup de déplacés internes qui sont... Est-ce que vous savez que les commerçants rwandais viennent blanchir l'argent à Goma? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Congolais. Vous n'avez jamais fermé. Vous n'avez jamais fermé. Faites des recherches, allez là-bas en tant que journaliste. Et le blanchiment s'est fait à Goma. Ces gens-là viennent faire ça calmement. Ils sont en commerce, ils sont tranquilles même. Vous avez fermé quelle frontière? Rien du tout. Puisque les Congolais qui continuent à être locataires au Rwanda continuent. On ne comprend rien. Et puis regardez la cartographie même de l'Est. Vous avez des beaux édifices là-bas. Plutôt des beaux immeubles là-bas. Mm-hmm. Des belles maisons. Mais c'est comme si c'est le Kassai, l'Équateur et le Bandundu. On dirait que c'est là qu'il y a la guerre. Mais qui construit tout ça? Et à quel moment ils construisent? Avec quel argent? C'est ça. Dans une ville qui est une province en guerre. Oui, mais on dit que c'est une guerre économique. Mais ça me fait de la peine. Surtout lorsque notre armée donne toujours des communiqués, on a récupéré, et puis après, on ne dit jamais on a récupéré Rubaya, Bounagana, jamais. C'est finalement, les gens commencent à dire que voilà, certainement, Bategui déjà Bounagana. Puisque le peuple ne comprend pas, avec tout ce qu'on a mis comme moyen, on ne puisse pas entrer là-bas. Ça devient un problème compliqué. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis venu spécialement demander à mon chef de l'État de fermer même ses téléphones par rapport aux Occidentaux et de se concentrer sur la guerre de l'Est et d'ordonner à nos troupes de ne plus reculer sous prétexte qu'on a fait, comment vous appelez ça, repli stratégique. Non, ça c'est... C'est pas sérieux. Il faut qu'il fonce. Oui. C'est la seule solution. La seule solution, c'est ça. La diplomatie, on a vu ce que ça nous a apporté. D'accord. Mais il y a un élément important, au moins, il faut le lui reconnaître. Quand même,
beaucoup de députés européens sont en train de se lever contre l'hypocrisie de l'Union européenne. Maintenant, c'est à nous maintenant de nous concentrer sur ces acquis-là. OK ? Et de foncer. Entre-temps, nous fonçons sur le plan militaire, mais tout en faisant les lobbying avec ceux qui nous appuient. Regardez ce que vous voyez. Est-ce que vous pensez que dans les 5 prochaines années, la situation peut être rétablie? Bon, je ne sais. Bon, de nature, je suis un homme optimiste. À l'époque du maréchal, on a connu la même situation, mais sous une autre forme. L'autre ici, c'est qui? L'AFDEL arrive. Encore, il faudrait que je précise un élément. J'ai toujours rappelé que l'AFDEL, c'est une création des États-Unis. Nous ont mis l'armée rwandaise sur le terrain pour reconquérir la RDC. Leur objectif était de se limiter au niveau de l'Est. Mais ils ont senti que s'ils le faisaient, ils allaient connaître un sérieux problème par rapport au reste des Congolais. Alors, ils ne pouvaient pas avancer entre Rwandais. C'est comme ça qu'ils vont nous chercher Kabila le père, qui ne combattait plus. Hein. Puisque les gens, Kabila le père n'était plus en même... Ils ne combattaient plus. Alors, c'est comme ça, quand vous suivez Yoweri Museveni, il vous dit, on m'a amené un monsieur qui riait tout le temps. Vous suivez dans le... Mais quand Laurent arrive, il se rend compte que non, moi je suis lumumbiste. Ces gens ici, non. Malheureusement, ils n'avaient pas pris le temps pour se sécuriser lui-même. Vous savez, l'intérieur, l'extérieur peut être détruit, mais si l'intérieur est intact, ça va revenir au galop. C'est comme ça, Mouzé, qui était à l'époque appelé Raoul, vous savez, c'est ça le nom de Mouzé. Il s'est dit non. Lumumba nous avait laissé un héritage. Il fallait à tout prix que ces gens partent. C'est ça la mort de Mouzé. Donc oui. Nous devons chercher à être tous des patriotes. Au lieu de perdre le temps dans les détails. D'accord, Maître Banza. Alors la question du cardinal Fridolin Mbongo, qui, après ses propos qui ont été qualifiés de propos soutenaient l'ennemi rwandais, il a rencontré le chef de l'État. Voici ce qu'il a déclaré. Dans le tumulte qu'on a entendu sur les réseaux sociaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer aujourd'hui, en tant que responsable du pays, le président de la République et les cardinals, pour que nous puissions faire la lumière sur différents points. Cela a été un moment de clarification. Là où les choses sont claires, c'est avec un sentiment de grande satisfaction et de gratitude que je quitte le palais de la nation. Oui, mon cher Dan, je préfère ne pas commenter ce que le prélat a dit, oui. Mais par contre, je lui propose ceci. En tant que pasteur, il doit rester au-dessus de la mêlée. Il doit être pour l'opposition et pour le pouvoir. Et essayer d'être le conciliateur des deux partis. Et au même moment, oui. Il doit être un des conseillers spirituel du chef de l'État, en allant vers lui et lui dire, non, mon fils, ici vous êtes à côté, voilà ce que nous proposons. Ces contacts-là doivent rester dans ce sens-là, plutôt que d'aller souiller la chair et dire des choses comme on a semblé les lui coller. Puisque c'est ça son vrai rôle, comme disait le feu pape Benoît XVI. Vous devez prier, nous devons prier pour les hommes élevés, les hommes politiques, pour que le Seigneur les aide à ne pas être en dehors des normes. Mais quand vous êtes prêt là, vous critiquez le pouvoir, est-ce que tous ceux qui vous suivent là, ne sont-ils pas du pouvoir eux aussi? Est-ce que ce n'est pas un moyen de pouvoir le ramener à l'ordre, parce que chaque humain est faillible? Oui, mais ce n'est pas en allant prêcher ça. L'ordre ne se prêche pas de cette façon. Même Jésus, quand, je ne sais pas si c'est Pierre qui a coupé l'oreille, Jésus a remis l'oreille de ces messieurs-là. C'est pour montrer que lui, il avait une autre mission. Mais l'Église catholique a toujours été un peu dure vis-à-vis des pouvoirs. Pourquoi aujourd'hui, ça n'est pas accepté par ceux qui ont été soutenus par l'Église catholique? Non, l'Église catholique doit rectifier. Il n'a jamais été contre les pouvoirs.
L'Église marche avec le pouvoir. Il ne faut pas suivre les idées, ce que vous apprenez là. Non. D'abord, qui nous ont amené les colonisateurs ici? Mais c'est l'Église catholique. Qui est venue avec. C'est pour vous dire que cette Église a toujours été du côté du pouvoir. Il ne faut pas suivre les petites critiques là. Non, 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 non. Puisque quand le pape vient, qui débourse pour l'organisation d'accueil du pape? C'est l'Église catholique. C'est le pouvoir. C'est pour vous dire qu'ils sont ensemble. Il ne faut pas suivre tout ce que vous apprenez dans les réseaux sociaux là, non. Mon souci est que les prélats puissent jouer le vrai rôle. En disant clairement ce qu'il faut dire au chef de l'État et non à la chair. La Bible nous enseigne beaucoup de choses qu'on peut dire sans trop cibler. Mais à côté, aller dire non, mon fils, il y a trop de détournements, mettez tous ces gens en prison. Il y a le cas de Perenco qui avait donné en 2021 10 millions de dollars pour l'électrification de la cité des Moindres jusqu'à aujourd'hui. Et on cite les célèbres ministres Didier Boudimbo. Et là, IGF, là, on n'entend pas parler de ça. Vous voyez comment le chef est entouré de méchants. Si ça s'est confirmé, donc le chef n'a que des méchants autour de lui. Mais c'est pas possible. Donc votre pays, vous ne voulez pas que ça soit comme le Qatar. Nous avons les moyens d'arriver à ce niveau. Mais quand il s'agit de créer les emplois, avoir des cantonniers, avoir les éboueurs, acheter les tracteurs, là il n'y a pas de procédure d'urgence. Vous voyez des choses comme ça. C'est simple. Tous ces chèques ici, on pouvait, les chèques, pardon, on pouvait les récupérer. Regardez, je suis passé devant les cimetières de la Gombe. Je vois des petites filles avec les chèques qui dorment sur les... Est-ce qu'on ne peut pas ramasser tout ce monde, commencer à les éduquer? Il y a les moyens. Puisque, comment expliquer? Un ministre arrive au pouvoir, il est déjà millionnaire. Ça s'est fait comment? Pendant qu'il y a des gens qui dorment à même... Vous savez pourquoi l'ANC de l'Afrique du Sud, oui, revient toujours au pouvoir? C'est parce qu'ils ont récupéré tous ces gens qui n'avaient pas de maison. Ils ont petit à petit construit des maisons, des logements sociaux, sans débourser même un franc. Alors, quand ces gens commencent à dormir dans des beaux logis, ils raisonnent deux fois. Ils disent, ah, si je laisse ce pouvoir... Et je risque de me retourner. Peut-être quelqu'un d'autre va venir, on va nous arracher les maisons. Mais c'est pour eux. Voilà des choses que l'UDPS doit. Puisque l'UDPS est des tendances socialistes. Comme l'ANC. Voilà. Mais voilà des choses à faire. Mmh. Au lieu d'acheter des jeeps donnés aux gens. Nous, acheter des tracteurs, construire des logements sociaux, ça ne coûte rien puisqu'on a l'argent. Et c'est des choses comme ça pour lesquelles on devait faire la procédure d'urgence. Mais le fait que le procureur général près de la Cour de cassation demande la levée des immunités contre Nicolas Kazadi, ministre des Finances et aussi député national élu, pour qu'il puisse le poursuivre. Je pense que sur cette question, on doit revoir effectivement notre constitution. Puisque là, ce n'est pas normal. Et j'ai compris, c'est depuis 2008, non, notre constitution est 2006. 2006, oui. Les politiciens se sont autoprotégés par rapport à la justice. Comment ça? Oui, mais vous savez, cette histoire d'immunité, on devait scinder la part des choses. Quand il s'agit des matières pénales, principalement quand il s'agit de détournement, on n'a pas à demander la levée d'immunité. Ça doit être automatique. Je pense en France, c'est comme ça. Vous devez répondre quand le procureur vous appelle. Et moi, si j'étais Kazadi, j'allais démissionner et me mettre à la disposition de la justice. Plutôt que de chercher à lancer des colibés à « oh, voilà, je n'étais pas seul ». Nous apprenons ça aussi. Donc, et puis, le courage d'aller siéger même au conseil
du gouvernement, là, au conseil des ministres. Il y a une question aussi qui a circulé quand les chefs de l'État ont convoqué l'IGF et Nicolas Kazadi pour chercher à s'enquérir un peu de cette question. Est-ce que le chef s'est... certains ont commenté pour dire qu'il s'est substitué à la justice. D'autres ont dit que ce n'était pas dans ses prérogatives de convoquer l'IGF et le ministre des Finances. En tant que juriste et spécialiste du droit administratif... Non, non, non. Là, je crois, à un moment donné, les gens aussi, hein, ils le disent ce qu'ils ne maîtrisent pas. L'IGF, actuellement, dépend de qui? Pas du cabinet du chef de l'État, mais du chef de l'État. Lisez vos textes. Donc, il a le droit de le faire. Mais, sauf que moi, je suis de ceux-là qui demandent à ce qu'on détache l'IGF de la présidence. Ce n'est pas le rôle, ça. Mais actuellement, c'est depuis Joseph Kabila que l'IGF dépend du chef de l'État, pas du cabinet. Même le DIRCAB, là, ne peut rien dire sur l'IGF. Ça, je vous l'ai dit sincèrement. Alors, le fait d'avoir... c'est bon ou c'est mauvais, je ne sais pas. Vous dites qu'il est magistrat suprême, non? Maintenant, il convoque les gens, vous dites qu'il est, il n'est pas dans ses prérogatives. Non. Il n'était pas en train de les juger. Il avait les soucis de comprendre ce qui n'est pas mauvais. Mais ça n'a pas empêché le procureur de poursuivre, de poser ses actions. Ça n'empêche pas. On connaît que quand une procédure judiciaire commence au Congo, ouais, après les dossiers classés sans suite, vous pensez que ça peut aboutir, cette affaire? Ah, sur ce point-là, je donne ma langue au chat, puisque on a vu beaucoup de choses dans ce sens, mais il s'est fait qu'il faut qu'on puisse redorer notre justice, mais qu'on enlève cette histoire d'immunité quand il s'agit de détournement. Ailleurs, on tire même sur la personne. Donc, on doit mettre fin à ça. Puisqu'on se réveille un matin, 10 millions, 18 millions à gauche, finalement. Je sais qu'à l'époque, il y avait autant de détournements. À telle enseigne que Kengwa même dit aux gens, aux kabilistes, que ah, vous avez détourné plus que nous en 32 ans. C'est des choses qui arrivent, mais c'est à notre justice de faire son travail. Quand quelqu'un doit être arrêté, on le fout en prison et on récupère. Même si on n'a pas vu l'argent, on récupère ses biens. C'est tout. Comme ça, personne ne va oser le faire. Vous voyez ça? Et quand les chefs laissent, puisque nous sommes dans la masse, j'ai déjà surpris les membres d'un parti dont j'étais le nom. Ils disent, est-ce que le leader Nabiso Aliaki Mbongo Anayemoko? Vous voyez déjà. Tout ça pourquoi? Puisque les chefs lui-même donne des matières à ses adversaires par son attitude. Il est vrai qu'il n'intervient pas d'après ce qu'il dit lui-même, mais il devait renforcer la justice pour qu'elle fasse son travail. Vous détournez, on vous laisse. ça ne va pas. Maître, on va finir. Juste un dernier mot, un message adressé à la classe politique congolaise. Je voudrais que les présidiums s'effacent. Okay. Puisque ça ne présente pas bien. Ailleurs, quand vous êtes autorité morale, à part peut-être quand vous êtes aux États-Unis, par exemple, le numéro 1 des démocrates, vous ne le voyez pas dans la course. C'est lui qui désigne. Mais ici, les autorités morales, ceux qui n'y ont pas, c'est eux-mêmes qui se désignent, qui désignent leurs femmes, leurs enfants. Ça fait vilain. C'est pas beau, c'est vilain vraiment. Nous devons mettre fin à ça. Voilà pourquoi j'insiste. Moi, c'est le chef de l'État qui m'intéresse. Puis c'est lui le leader. C'est lui qui doit affirmer son leadership. Il doit mettre fin à tout ça. C'est lui, tout ce monde-là, on ne le verra pas. Dès qu'il termine, d'ailleurs, lui, ils vont changer de langage. Puisqu'ils ont commencé, beaucoup ont commencé avec Mobutu. Ils étaient avec Kabila, aujourd'hui ils sont avec lui. Vous voyez? Donc il doit tenir compte de tout ça. C'est son dernier mandat, à moins qu'il y ait autre chose, je ne sais pas laquelle. Mais il doit tenir compte de ça. Mon souci, c'est lui qui doit nettoyer tous ces désordres. Puisque ça dessine déjà un problème sur son mandat. Ça démontre clairement que le mandat ici a mal commencé et ça risque de mal finir. Et c'est comme ça que je vois les choses.
Merci beaucoup, maître Jean-Marie-Claude Banza, citoyen révolté sur ce plateau. Merci.